Bonjour à toutes et à toutes. Comme vous le savez, les récoltes de céréales sont maintenant terminées et on va bientôt pouvoir commencer à récolter l'ensilage de maïs afin de refaire les stocks pour l'hiver. Et nous allons donc voir au travers de cette vidéo comment bien réussir sa récolte de maïs afin de conserver un fourrage de meilleure qualité possible. Le premier critère pour bien réussir sa récolte de maïs sans silage, c'est la date de récolte. Car pour que le fourrage se conserve le mieux possible, tout en ayant un bon rendement, il est recommandé d'ensiler le maïs aux alentours des 32% de matière sèche. Or, il est difficile d'organiser un chantier d'ensilage la veille pour le lendemain. Entre la réservation de l'ensileuse et l'organisation avec les autres éleveurs, cela complique grandement les choses. Pour cela, il existe différentes méthodes pour anticiper cette date. Il est possible, dans un premier temps, de déterminer sa date de récolte en fonction de la date de floraison du maïs. Il faut savoir que l'on atteint le stade de floraison que lorsque 50% des soies sont sorties. Une fois ce jour déterminé, il faut ajouter 550 à 700 degrés jour, selon la variété, pour atteindre un maïs à 32% de matière sèche. Pour calculer les degrés jour, il faut faire la moyenne entre la température maximale et la température minimale d'une journée, auquel on va soustraire 6 degrés pour le maïs, et sachant qu'au-dessus de 30 degrés, les valeurs maximales sont arrondies à 30. Ce calcul est à effectuer tous les jours et à additionner afin d'obtenir les degrés jour. Donc à partir de la floraison, il faut considérer que le maïs sera prêt à ensiler entre 45 et 65 jours. Mais pour que cela soit plus concret, prenons un exemple. Si on prend une variété de maïs en silage corné, denté et demi-précoce, alors il faut attendre entre 580 et 600 degrés jour pour atteindre le stade optimum de 32% de matière sèche. Si on se place dans une région telle que le nord de Rennes, avec un maïs qui a fleuri au 20 juillet, alors le maïs sera à maturité entre le 15 et le 20 septembre pour une année moyenne, sans autre incident acclimatique. Lorsque la maturité de la plante approche, il est possible d'estimer une date de récolte de manière plus fiable selon divers moyens. Le premier est la mesure du taux de matière sèche de la plante une fois celle-ci broyée, et ceci est effectué à l'aide d'un lecteur optique. Cette analyse peut être réalisée auprès des coopératives ou bien auprès de certains fournisseurs qui peuvent proposer cette prestation. Une autre méthode plus simple à mettre en place consiste à regarder les grains pour connaître le stade de maturation de la plante. L'aspect du grain que l'on va souhaiter, c'est un grain qui possède trois textures d'amidon réparties à parts égales, avec une partie vitreuse et une partie laiteuse. Mais il est aussi possible avec ce tableau de savoir où en est notre maïs dans sa maturation. Donc une fois qu'on connaît le stade de notre maïs, il est assez facile d'estimer une date de récolte assez précisément. En effet, il faut compter entre 20 et 25 degrés jour pour augmenter d'un point de taux de matière sèche, soit un point de matière sèche tous les 2 à 3 jours. Une fois la date positionnée, il est important de préparer cette récolte et pour faire cela au mieux, il est important d'estimer le rendement que l'on va avoir dans les parcelles afin de prévoir suffisamment de remorques, de bâches ou bien de conservateurs le jour de l'ensilage. Mais aussi afin de savoir si on ne va pas avoir trop ou pas assez de maïs pour couvrir l'ensemble des besoins d'ensilage sur une année. Donc pour estimer le rendement, il existe plusieurs méthodes. La première consiste à prélever une dizaine de plants représentatifs dans une parcelle, puis de les peser, puis de faire un produit en croix avec le nombre de plants à l'hectare avant d'obtenir un rendement à l'hectare. Pour connaître le nombre de pieds à l'hectare, il faut compter le nombre de pieds sur 12,5 mètres pour un écartement de 80 cm en interrang, puis de multiplier cette valeur par 1000. Une autre méthode consiste à compter le nombre de grains par épi. Pour cela, il faut tout d'abord compter le nombre d'épis par mètre carré avec la même méthode que le nombre de pieds. Ensuite, il faut effectuer des prélèvements d'épis dans le champ, une vingtaine par champ. Puis, il faut effectuer une moyenne du nombre de grains par épi afin de connaître le nombre de grains par mètre carré. Puis, avec le tableau suivant, il est possible de connaître le rendement prévisionnel de la parcelle. Vient maintenant le moment de la récolte. Là aussi, il y a quelques petits trucs à savoir. Tout d'abord, l'ordre des champs du chantier d'ensilage est assez important, car il faut essayer d'ensiler les champs les plus secs en premier afin de faciliter le tassage du silo, mais tout en ensilant les champs côte à côte afin d'éviter de perdre du temps sur la route. Ce sont donc des compromis à effectuer. Il est aussi possible de commencer le chantier d'ensilage par les champs qui se trouvent le plus loin du silo. Cela permet une mise en route du chantier plus simple et un déroulement tout au long de la journée plus simple également. Lors de la récolte, il est aussi important de bien régler l'ensileuse.
Tout d'abord, il faut régler la longueur des brins en fonction de la maturité du maïs. Donc si on arrive à ensiler au stade optimal, on ensilera entre 6 et 8 mm de longueur de brin. Il est aussi important de souvent regarder le maïs ensilé afin de contrôler le bon éclatement du grain. La méthode la plus simple au jour de l'ensilage consiste à mettre un peu de maïs dans un seau et d'y rajouter de l'eau. Les feuilles et les tiges vont surnager et seront donc assez simples à enlever. Une fois l'eau enlevée, il est assez simple d'apprécier la qualité de l'éclatement du grain. Le meilleur moyen de faire varier l'éclatement, c'est de jouer sur l'écartement entre les deux rouleaux de l'éclateur. Enfin, le dernier point de vigilance concerne le stockage de l'ensilage de maïs. Il existe différents systèmes de stockage pour l'ensilage de maïs, les silos tours, les bottes d'enrayonnage ou bien les silos à plat. Et c'est sur ce dernier que nous allons nous concentrer dans cette vidéo. Donc en premier lieu, la première chose à vérifier, c'est la dimension de son silo. En effet, il faut essayer de faire un silo tel que l'hiver, le front d'attaque avance de minimum 10 cm par jour et en été 20 cm par jour. Il faut aussi essayer d'avoir une hauteur minimum de 1,80 m afin de favoriser la densité du maïs. Une fois cela fait, il faut pour le jour de l'ensilage avoir un silo le plus propre possible afin d'éviter d'avoir dans celui-ci une forte population de germes ou de butyriques. Pour éviter celle-ci, il est aussi important d'éviter d'amener de la terre dans le silo. Il faut donc pour cela éviter de monter avec la remorque sur le silo. Enfin, concernant la forme du silo, il est mieux d'avoir une dalle béton ou en bitume avec une forme de type couloir afin de favoriser le tassage contrairement à un silo taupinière. Ensuite, lors de l'ensilage, le tassage du silo est un point primordial car c'est lui qui va induire une bonne conservation. Pour cela, il faut atteindre une densité de maïs d'au moins 220 kg par mètre cube. Pour cela, plusieurs règles sont à respecter. Première règle, il faut un tracteur suffisamment lourd. Il faut compter un poids mort sur le silo de 400 kg par tonne de matière sèche qui rentre par heure ou bien, de manière plus simple, il faut un poids de 2 tonnes par rang d'ensileuse. Ensuite, il faut avoir des pneus gonflés au minimum à 2 bars. Et pour le tracteur qui tasse, il faut proscrire les roues jumelées. Seul s'il y a un tracteur qui ne fait que monter l'ensilage sur le tas, celui-ci peut être équipé de roues jumelées. Enfin, il faut limiter la vitesse du tracteur à 3-4 km/h en essayant de passer de 2 à 4 fois au même endroit par couche d'ensilage. D'ailleurs, il faut limiter les couches successives à maximum 30 cm. Si toutes ces règles sont difficilement atteignables, alors il est sûrement nécessaire d'ajouter un deuxième tracteur au tassage. De plus, lors de la confection de ce silo, on peut se demander s'il est utile d'apporter un conservateur d'ensilage ou non. Alors, il y a deux cas où les conservateurs peuvent s'avérer utiles. Le premier cas, c'est lorsque l'on souhaite ouvrir son silo très rapidement sans attendre le mois de fermentation. Alors dans ce cas-là, le conservateur va permettre d'accélérer cette fermentation et la stabilisation du fourrage. Le second cas, c'est quand le maïs est trop mûr, lorsqu'il a dépassé 40% de matière sèche. Alors dans ce cas-là, le conservateur permet de limiter grandement les pertes de fourrage lors de l'ouverture. Hormis cela, les conservateurs n'ont pas de réel intérêt. Un autre conservateur souvent utilisé, c'est le sel. Mais celui-ci ne va pas limiter les moisissures, mais limiter les bactéries butyriques dans des zones de condensation à la périphérie et à la surface des silos. L'ajout de sel permet aussi de limiter l'échauffement du maïs lors de la reprise du fourrage, mais pour une bonne efficacité, il faut compter 3 kg de sel par mètre carré en zone superficielle. Une fois tout cela fait, il ne vous reste plus qu'à fermer le silo. Et plus ceci est fait rapidement, mieux c'est. Car l'anaérobie, et donc la mise en conserve du silo, démarrera rapidement. Le but est de faire un système le plus étanche possible, donc pour cela, il faut poser une première bâche très étanche à l'oxygène sur le maïs. Puis on va pouvoir rajouter une autre bâche par-dessus qui peut être moins étanche car elle servira surtout de protection à la première. Ensuite, il faut bien fermer le silo sur tout le tour avec soit des boudins de sable, soit de la terre, soit du sable directement, sans laisser aucun espace afin de leur rendre le tout vraiment très étanche. Ensuite, il faut effectuer des lignes de boudin de sable ou bien utiliser des sangles tous les 3 à 5 mètres pour bien fermer le silo et créer différentes zones sur le silo. Enfin, il est possible de lester la bâche sur l'ensemble de sa surface afin de bien plaquer la bâche au maïs. Pour cela, il est possible d'utiliser soit des pneus, soit du sable, soit de la terre. Donc maintenant, vous savez tous comment bien réaliser sa récolte de maïs ensilage. Si vous avez des remarques ou des questions, je vous invite à les écrire dans l'espace commentaire et on se dit à une prochaine vidéo.